Bonjour à tous, je m'appelle Marceau Di Costanzo, j'ai 23 ans et aujourd'hui le dernier jour de mon alternance qui aura duré presque 2 ans et demi au sein de l'entreprise Dimo Diagnostic en tant que business developer. Concrètement, mes missions ont été de développer le portefeuille client de l'entreprise tout au long de mon expérience, que ce soit dans un premier temps sur un point de vue des particuliers et dans un second temps sur un point de vue professionnel. Concrètement, ce que j'ai aimé tout au long de l'aventure, ça a été l'ouverture d'esprit de la part de mes collaborateurs, mais également de ma responsabilité. Je remercierai jamais assez Benjamin et Louis pour m'avoir permis de m'accompagner tout au long des missions qui, dans un premier temps, m'étaient propres, mais également dans ce que je pouvais proposer d'innovant. Que ce soit d'un point de vue de l'accompagnement client ou par rapport au développement des partenariats avec les professionnels, j'ai eu probablement tout le temps la main libre et c'est vrai que ça a été pour moi un immense plaisir de pouvoir travailler comme je le souhaitais et c'est assez rare d'avoir autant de responsabilités lorsque nous sommes alternants. Je remercie également les deux tomes avec lesquels j'ai eu l'occasion de collaborer au quotidien qui ont été mes collaborateurs, vraiment avec lesquels j'ai eu l'occasion d'être le plus proche d'un point de vue professionnel. Je pense qu'ils ont énormément contribué également à ma montée en compétences et ça pour ça également je peux que les remercier. Malgré l'immense croissance que l'entreprise connaît depuis des mois voire des années, on a la chance d'avoir des collaborateurs qui seront toujours disponibles. Peu importe la nature de la demande, peu importe la nature du problème, tout le monde est ici pour faire en sorte que chacun puisse avancer de son côté et d'autre part puisse avancer ensemble. C'est notamment le cas pour Benjamin et Louis qui ont toujours été là à mes côtés, peu importe le moment que je demandais, ils se sont toujours rendus disponibles et c'est vrai que d'avoir ce temps accordé à l'ensemble des collaborateurs en dépit de l'immensité des tâches que la direction a à accomplir et en dépit du nombre de salariés, puisqu'aujourd'hui on est quand même plus de 50, je ne l'ai jamais trouvé ailleurs, donc c'est vrai que la disponibilité c'est quelque chose ici qui pourrait être qualifié de véritable valeur. Avec la montée en compétences que j'ai eu l'occasion d'avoir et du coup les notions que j'ai eu l'occasion de développer d'un point de vue théorique à travers les enseignements scolaires et d'un point de vue pratique dispensé par la réalisation de mes missions. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir intégrer un VIE en tant que business developer et de partir pour une durée de 24 mois à Milan et rejoindre l'entreprise Petit Forestier. Je pense que c'est une opportunité qui n'aurait pas pu être réalisable si je n'avais pas eu l'occasion de faire cette expérience ici au sein de l'entreprise et de réaliser les missions et surtout de m'accomplir dans la réalisation de ces dernières. Comme dernier mot, je tiens à remercier l'ensemble des membres et plus particulièrement Louis et Benjamin qui ont su faire de moi la personne professionnel que je suis aujourd'hui. De manière plus générale, j'ai énormément aimé travailler avec l'ensemble de mes collaborateurs qui ont chacun d'énormes compétences professionnelles qui leur sont propres et qui font aujourd'hui de l'équipe Dimo un véritable cercle vertueux. Aujourd'hui, c'est la fin de l'aventure chez Dimo pour moi et si c'était le début de la vôtre ?